Oh, wesh la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les gars pour l'après-match. France-Argentine, premier match de ces huitièmes de finale. Victoire 4 à 3 de cette équipe de France. Équipe de France, on va dire que Mbappé aurait pu tuer à lui seul cette équipe d'Argentine. Hein, vraiment Mbappé monstrueux de chez monstrueux. On l'a rarement, enfin, c'est pas qu'on l'a rarement vu à ce niveau, on l'a déjà vu à ce niveau. Mais en Coupe du Monde, pour une première Coupe du Monde, faire ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Je pense que tout le monde est OK sur ça. Personne ne peut critiquer Mbappé sur ce match. Il a vraiment été monstrueux. Sa vitesse a tué les Argentins, tout simplement. A tué les Argentins. Sans Mbappé, je pense que l'Argentine aurait gagné le match. Pour ma part, je pense que déjà, je pensais que l'Argentine allait gagner le match tout simplement parce que je pensais qu'après avoir passé ce premier tour assez catastrophiquement, je pensais qu'ils allaient totalement changer de jeu, se réveiller, placer Dybala en 10, Agüero en 9, Messi à droite, Di Maria à gauche, voyez quelque chose d'assez sale, d'assez coriace et de voir un tout nouveau visage de l'Argentine, l'Argentine qu'on connaît, qui peut être phénoménale s'il y a les bons joueurs, avec un bon entraîneur, mais là, cette Argentine sur cette Coupe du Monde, ça a été catastrophique. Je pensais vraiment un réveil sur ce match-là, mais ça a été catastrophique. Donc le meilleur a gagné, et c'est une très très bonne chose. Il faut que dans le foot, le meilleur gagne. C'est important que celui qui se bat le mieux, qui prépare le mieux son match, remporte le match, et ce qui a été totalement le cas avec ce France-Argentine, un match très très vivant, très très vivant. Il y a eu de l'action dans toutes les phases de jeu. L'Argentine a été très très bas en première période, mais après le but, ils se sont réveillés, etc. Là, ça s'est un peu ouvert, et par la suite, ça s'est totalement ouvert avec de très très belles phases de jeu, mais notamment du côté français. C'est vrai que l'Argentine est en dessous, il mérite de perdre de toute façon, la France mérite de gagner ce match-là, mais c'est surtout Mbappé qui a choqué, je pense, tout le monde. Il a marqué un doublé, il a provoqué le coup franc où Griezmann touche la barre, il a provoqué le penalty où Griezmann le met. Moi, j'aurais bien aimé que Mbappé le frappe, rien que pour le récompenser de ce qu'il a fait. Pogba était pas mal du tout au milieu de terrain, Matuidi énorme. Toujours bon dans la récupération de balles, dans le pressing, etc. La défense, à part une erreur de Pavard, mais il s'est rattrapé avec un but phénoménal. Peut-être le plus beau but de la Coupe du Monde, hein. Peut-être le plus beau but de la Coupe du Monde cette année. J'ai remarqué que les beaux buts, c'est souvent soit des coups francs, soit c'est des belles frappes d'assez loin, en dehors de la surface de réparation, avec un sacré effet. Quaresma, Coutinho, Pavard, Di Maria, etc., etc. Donc pour ce match-là, ben, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Je pense que la France s'est fait peur un moment, mais qu'ils ont très bien su gérer leur fin de match. Hein, l'Argentine était de toute façon en dessous. Mais par contre, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la France est capable de faire mieux? Est-ce que la France est capable de rivaliser face au gros, on va dire, hein? Parce que maintenant, ça va être Uruguay-France en quart. Uruguay-France, si Cavani est opérationnel, je pense pas que la France passera. Honnêtement, je pense pas que la France passera. Pourquoi? Parce que France-Australie, c'était pas très beau à voir, c'était du stress. Et pourtant, l'Australie, on a beau dire ils sont costauds, ils sont présents en Coupe du Monde. Non, non, ils sont rien du tout. L'Australie, faut remettre les choses à leur place. Face au Pérou, c'était un peu mieux, mais c'était pas phénoménal non plus au niveau du jeu. Et face au Danemark, il y a eu 0-0. Par contre, c'est vrai que sur ce match-là, on a vu de très très belles choses. Mais quelle équipe d'Argentine aussi on avait en face? Plus faible d'Argentine depuis que je connais cette équipe d'Argentine. J'ai jamais vu une équipe d'Argentine aussi faible que ça. Honnêtement, c'était vraiment des fois moche à voir déjà sur le premier tour. Et des fois, je me disais, mais que j'avais l'impression de voir des enfants jouer face à Mbappé. Ils étaient totalement mangés. Même ils ne savaient pas dégager, etc. Sur le troisième but de l'équipe de France, c'est catastrophique le placement. Catastrophique le placement qui amène le but. Et les joueurs, ensuite, dans la surface de réparation, sont totalement en panique. Au lieu de dégager proprement, non. On dirait des enfants qui essayent de tirer dans une balle, etc. Mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont trop nombreux. Enfin bref,
Victoire méritée de l'équipe de France. Victoire 4 à 3. Messi, dit au revoir à la Coupe du Monde. Certainement, je pense pas que c'est sa dernière. Hein. Je pense qu'il reviendra en 2022. Cristiano, c'est peut-être sa dernière. Il est aussi éliminé. Et voilà, tout simplement pour ce match. Donc, bah, félicitations à ceux qui supportent l'équipe de France. Voilà, victoire méritée sur ce match. Après, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Je pense que la France va avoir énormément de chance si Cavani ne joue pas. Mais l'Uruguay, faire attention parce que ça ne se résume pas qu'à Cavani. Hein, on sait que derrière, c'est costaud. On sait qu'il y a Suarez qui peut faire très très mal. Mais c'est vrai qu'avec Cavani, je pense que la France sera éliminée. L'Uruguay, attention, c'est pas une petite équipe du football parce que des fois, on entend certaines débilités. L'Uruguay, c'est deux étoiles sur le maillot. Quatrième meilleure équipe de la Coupe du Monde après Brésil, Allemagne, Italie. Faut pas oublier ça. Hein. L'Uruguay, c'est très très costaud, très très fort. Et chaque saison, en fait, chaque année, c'est fort. Après, il y a des périodes, c'est plus ou moins bien, mais dans la globalité, ça reste très très fort. Pour le Portugal, ben, le Portugal, ben, c'est également bye bye la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, c'était sûrement l'une de ses dernières chances de la remporter, mais de toute façon, il ne la remportera jamais parce que cette équipe du Portugal, déjà d'avoir gagné un euro, c'est déjà très très bien pour Cristiano Ronaldo et pour cette équipe du Portugal parce qu'ils ont les joueurs, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose à cette équipe du Portugal pour gagner une Coupe du Monde. Hein, la France a ce potentiel pour gagner une Coupe du Monde. Par exemple, mais le Portugal ne l'a pas pour moi. Mais est-ce que la France peut gagner la Coupe du Monde? Franchement, j'en doute fort parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que le potentiel est très très mal exploité. Ça, je pense que c'est la faute du coach. Je pense qu'à Zinedine Zidane, par exemple, en équipe de France, jouerait totalement différemment, mais en exploitant un peu mieux peut-être les individualités. Et voilà, ben c'était tout pour ce petit débrief. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux matchs-là. Uruguay-Portugal, je vais pas le débrief en long, j'en ai parlé un peu là. C'était le but parce que c'est un match où voilà, Cavani était monstrueux, c'est ce qu'on retient. Il est blessé, est-ce qu'il va jouer face à la France ou pas? On espère pour voir du beau football. Et si c'est pas le cas, ben la France, je pense qu'elle passera difficilement. Et elle atteindra sûrement les demi face au Brésil. Et là, je pense qu'elle devrait sortir. Mais peut-être, on sait jamais. On sait jamais parce qu'avec un Mbappé dans cette forme, c'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est vraiment vraiment monstrueux. Donc voilà, famille, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un peu pour parler de tout ça, etc. Sans trop faire des analyses de fou, etc. C'est juste pour en parler, donner mon avis. J'attends le vôtre en commentaire. Dites-moi, est-ce que vous pensez que cette équipe de France va remporter déjà le match face à l'Uruguay. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Mbappé sur ce match et de l'équipe de France dans sa globalité? Et est-ce que vous pensez que l'équipe de France peut gagner la Coupe du Monde ou non? Et si elle ne peut pas la gagner, bah, qui est-ce que vous pensez qui peut la gagner cette année? Et de quelle équipe la France doit avoir le plus peur? Alors, Croatie, Brésil, Belgique, Angleterre, Mexique, à vous de choisir. Allez, ciao!